Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le retour de mon chignon plaqué, ça doit faire un an que je ne l'ai plus fait, je crois. Écoutez, si je vous dis que je suis en cuisine depuis 3 heures et que j'ai failli rater mon plat, en fait, je parle à Nono d'un coup, je sens une odeur de cramé. J'ai dit non, pas ça. Ça fait 3 heures que je mets tout mon cœur. Je suis arrivée in extremis. Mais vous savez ce que ça veut dire in extremis ? C'est-à-dire que la viande, elle commençait en fait à coller dans la marmite. J'ai vite enlevé, j'ai éteint le feu, j'ai rattrapé la sauce. Mais Nono, dans quel état j'étais ? J'ai pleuré. Les larmes, elles sont montées. J'ai dit non. Vous savez, la fatigue. J'ai envie de bien faire, de faire un bon repas. Mais ça va. Du coup, je vais vous partager ma petite inspiration de repas. Enfin, mon menu de ce soir, puisque je reçois du monde. Donc, ça peut vous donner des idées. Et j'avais prévu de faire une tuto recette, mais honnêtement, je suis fracassée. J'ai la gorge en feu. J'ai le nez qui coule, etc. Donc, je me suis dit, on va garder ça une prochaine fois. Puis voilà. Donc là, je commence mon plat. J'ai mis des oignons avec de l'ail et mes morceaux d'épaule d'agneau. Et d'ailleurs, pour avoir un bon jus, pour être plein d'oignons. Là, j'en ai mis 3 gros. Là, je viens de couper mon chou-fleur que je vais venir faire bouillir et je vais faire mes petits beignets avec. Donc là, je vais refaire une salade de riz comme hier. J'avais du riz en plus, donc je vais couper de l'oignon rouge, des olives et du maïs. Là, j'ai mes petits beignets qui sont en train de frire. J'ai fait aussi ma petite salade betterave feta et je vais faire une petite sauce vinaigrette maison. Très simple et très bon. Mes beignets de chou-fleur, ils sont prêts. Voilà ce que ça donne. Bien moelleux. Là, écoutez, ma table est prête. Donc ici, c'est le tagine. Ici, c'est la petite salade de betterave et de feta. Ça, c'est les bourecs avec la salade de riz juste là-bas. Et j'attends que tout le monde arrive pour pouvoir servir la chorba. Alors les filles, on a des nouvelles offres chez Cellublou. Cellublou, c'est une marque qui traite efficacement les peaux d'orange, la cellulite et les vergetures. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui n'ont jamais commandé. Soit parce que vous vous dites c'est trop cher. Soit vous vous dites, est-ce que ça fonctionne réellement ou pas? Est-ce que je vais mettre mon argent dans des produits efficaces ou non? La réponse est oui pour tout. Et même pour les prix, sachez que c'est super accessible. Alors déjà aujourd'hui, sachez que Cellublou a fait de grandes réductions, comme à peu près tout le temps en fait, quand on est en collab. Mais là, c'est moins 85% sur le site. Donc vous avez des packs et des produits qui vont jusqu'à moins 85%. Vous ajoutez à cette remise-là 20% supplémentaire avec mon code à moi. Donc imaginez les tout petits prix. Là ici, ce que vous voyez par exemple, c'est un pack Maxi Minceur, composé des produits phares de la marque que je vais vous montrer un petit peu un par un. Mais c'est une marque qui fonctionne super bien. Je vous invite même à aller voir leurs réseaux sociaux. Sur leur réseau, vous voyez des avant-après, de filles qui sont. Donc ici, c'est les produits phares dont je vous parlais chez Cellublou qui composent le pack Maxi Minceur. Donc on retrouve le fameux masseur électrique que j'aime beaucoup parce que déjà, il a plusieurs niveaux d'intensité. Donc vous massez à votre rythme. Et il est incroyable parce que outre le fait de casser la peau d'orange, on passe un vrai moment de détente. Je trouve que ça fait du bien pour la peau. Et avec ça, vous utilisez le spray activateur. C'est un spray qui va préparer votre peau et aider à lutter aussi contre la cellulite. Donc les deux s'utilisent ensemble, par exemple. Vous avez une gamme cryothérapie. Alors la cryo, c'est soigner par le froid. Donc c'est ici pour le ventre. Ça va vous aider à mincir et à déstocker les graisses. On a la même chose pour les cuisses. Donc c'est un effet froid qui est immédiat et c'est ce qui permet justement que ça fonctionne. Vous avez également ici soigne-nuit. Donc la gamme soigne-nuit pour le ventre, tout est complémentaire. Et la gamme soigne-nuit pour les cuisses. Donc vous utilisez la gamme cryo, la nuit vous utilisez ça et vous massez régulièrement avec ce masseur. Les résultats sont garantis et vous faites tout ça à la maison. Vous ne vous rendez pas dans un institut, vous avez tout à portée de main. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que la livraison, elle est à 99 centimes. Donc même si vous vous dites, je fais des grosses économies grâce au code promo, grâce aux remises qu'il y a sur le site, mais si la livraison me coûte 15-20 euros, ça sert à rien. Là, elle est à 99 centimes. Donc vous pouvez essayer les huiles pour les vergetures, les gommages aussi, qui sont très très bien chez eux. La gamme cryothérapie, la gamme soins de nuit aussi, vous appliquez, vous dormez et ça fonctionne pendant votre sommeil. Ce fameux masseur électrique qui, je trouve, est un très bon investissement chez Cellublou. Vous le gardez pour toujours, hein. C'est une prise, donc vous le branchez, pas besoin de pile ou de recharge. Et vous l'utilisez sur tout votre corps, sur votre ventre, sur vos bras aussi, si vous avez de la peau d'orange par ici, sur les cuisses, il fonctionne vraiment très bien. Et utiliser le spray activateur aussi pour plus de fluidité. Regardez tout ce qu'ils nous ont apporté comme dessert. On n'est que 4. Et ça, je trouve ça magnifique. Moi qui aime bien acheter des trucs dans ce genre. Regardez, c'est des petites salades de fruits. Mais c'est trop bien emballé. On va regarder. Regardez comme ça tue. Ça va être trop bon. En plus, c'est varié. Et personnalisé pour le ramadan. Trop, trop.
j'ai reçu une toute nouvelle sélection de Maya Daya qui propose les plus belles abaya style Dubaï. Elles sont toutes hyper travaillées, regardez celle-ci. Alors ça c'est des collections pour l'Aïd, mais c'est totalement pour moi des collections aussi pour des fêtes si vous avez des soirées cet été, des mariages, des fiançailles. Regardez s'il vous plaît le style de la robe, regardez déjà les manches ouvertes. Vous mettez une robe noire en dessous, c'est orné de strass, donc sur tout le devant, le col, les épaules, etc. Y compris sur l'arrière. C'est vraiment des robes qui pour moi sont sublimissimes. Voilà, c'est la troisième sélection que je reçois de chez eux et elles sont toutes à chaque fois plus belles les unes que les autres. Elles sont très classe, c'est vraiment un look très émirati, très Dubaï. Elles sont sublimes et la qualité des tissus surtout, c'est ça que je trouve qui est incroyable. Regardez celle-ci, ça c'est une abaya ornée de strass aussi pareil, sur chaque côté, sur tout le devant de la robe, avec son foulard aussi qui lui a des strass. Elle est très très fluide, les manches elles sont canon aussi, c'est des manches sur lesquelles vous avez des strass. Elle est magnifique, une de plus que je valide, elles sont trop 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 belles. Pour les fans de plumes et de satin, regardez cette tenue. Donc c'est un ensemble trois pièces avec la robe longue noire avec plein de plumes en bas. Vous avez son kimono, donc vous avez des strass noires sur tout le long du kimono et des plumes. C'est beau, hein? Et un foulard noir aussi à porter comme vous voulez. Moi je le mets comme ça. C'est très sobre. Les plumes en fait, c'est elles font la beauté de la tenue. Elle est magnifique celle-là aussi. Très élégante. J'aime beaucoup. Vous avez celle-ci aussi, donc elle est plus simple que les autres. Mais ce qui fait la beauté justement, c'est tout l'ornement là de strass qu'on retrouve sur les manches et sur tout le devant de la robe. Vous avez aussi un foulard, portez ce foulard comme vous voulez. Elle est canon, elle est très très fluide celle-là, mais très très belle. Celle-là, elle est incroyable. Regardez le détail du voilage, elle est fluide, mais fluide. Je crois que c'est ma préférée de la sélection. Pourtant, il n'y a pas de strass, c'est juste ici, vous voyez. Mais les manches, le détail des manches, il y a son foulard qui a sorti aussi de la même couleur. Mais regardez-moi la fluidité de cette robe. Ça fait effet papillon, vous savez. Ça, je sais que c'est le style de ma mère. Elle va voir ma story, elle va dire « Tu me la mets de côté !» Elle est canon. Elle est vraiment très belle. Avec ce modèle, donc c'est un modèle qui est différent au niveau déjà de la matière de la tenue et même au niveau de la coupe. Donc vous êtes sur une robe en dessous, un kimono magnifique, très ample, il fait même style un petit peu oversize, vous voyez, avec des poches, et vous avez le foulard assorti avec la même finition de tissu que la robe. Ça c'est vraiment émirati quoi.